Coucou, aujourd'hui on est à nouveau jour et c'est un jour merveilleux. Pourquoi ? Parce que je vais te parler d'un livre et ce livre il s'appelle Premier Saint de Amélie Nothomb, une de mes auteurs préférées de toute la vie du monde entier. C'est un livre qui est très différent de ce qu'elle fait d'habitude parce que dans son livre-là, elle va parler de son père à la première personne, elle va raconter son histoire. Et du coup ça m'a fait penser au dernier livre que je lisais de Mathias Malzieu où lui aussi il raconte l'histoire de son père et c'était très intéressant pour moi dans la même période de lire ces deux livres-là. J'imagine que c'est un hasard qu'ils sortent quasiment en même temps. C'était un bon hasard parce que c'était deux bons livres. L'histoire, elle commence avec un mec qui est sur le point de se faire exécuter. En fait, c'est un livre qui est en deux parties. La première partie, c'est toute l'enfance du père d'Amélie Nothomb. Dans la deuxième partie, on voit comment il s'intègre, il est consul au Congo, comment il s'intègre dans ce pays et il va vivre une grande prise d'otage et comment il gère cette prise d'otage. En fait, ce livre, c'est un joli hommage que rend Amélie Nothomb à son père et à l'histoire de sa famille. Je pense que si on aime les biographies, les histoires de famille, les choses comme ça, c'est un bon livre. Alors ce livre, c'est pas mon préféré d'Amélie Nothomb, c'était très agréable de le lire, mais c'est vrai... Oh non, mais c'est vrai que c'est pas celui que j'ai préféré. Alors c'est peut-être pas le meilleur moyen de découvrir Amélie Nothomb parce que ce livre est quand même très différent des autres livres. Et je pense que tout son talent, on le voit dans d'autres livres qu'elle a écrits. En même temps, ça reste un très bon livre. J'ai passé un très bon moment. C'était divertissant, c'était agréable à lire. Et donc, je te le conseille. Est-ce que je le conseillerais donc à une personne qui commence? Peut-être pas. Mais une personne qui aime Amélie Nothomb, il y a de grandes chances qu'elle aime aussi ce livre. Je te fais des gros bisous. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo dans laquelle je parlerai de livres. Lis des livres, lis des livres, lis des livres, lis des livres, lis des livres. Mouah.